Alors pour le port, nous sommes évidemment sur un lieu qui est en train de se requalifier, puisque la municipalité avait déjà engagé des travaux importants qui sont en cours, qui se termineront sur l'année 2019. Et les projets immobiliers, évidemment, et notamment ce projet qui est aujourd'hui inscrit et en cours de vente, eh bien pour nous, c'est l'occasion de faire bénéficier des Marseillais ou des personnes qui viendraient sur notre territoire apprécier notre ville à l'endroit qui, pour nous, est le plus magique et le plus intéressant, puisqu'il y a un placement sur l'étang de Thau. Je rappelle, c'est un site Natura 2000, c'est un site de production d'huîtres et de coquillages et de poissons et de pêche sur notre territoire. Donc nous y sommes particulièrement fiers de cet endroit et nous sommes heureux de pouvoir en faire profiter les personnes qui viendront donc habiter chez nous. Alors la résidence millésime, c'est une résidence donc, que nous réalisons avec notre partenaire Erige, promoteur local au bord de l'étang de Thau, hein, puisqu'il est basé à Agde aussi. C'est une très belle résidence. En fait, on est sur une reconquête urbaine. La ville de Marseillan a décidé donc, de reprendre cette zone économique qui était vieillissante aujourd'hui et donc de rénover son centre-ville. Et donc nous a confié cet aménagement et cette reconquête urbaine. Donc on est dans une zone très 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 contrainte, hein, puisqu'on est Natura 2000 par rapport à l'étang de Thau. On a un environnement, j'allais dire, historique fort, hein, à la fois industriel et à la fois patrimonial. Et donc l'idée a été de partager avec la ville, avec les habitants, notre projet. C'est-à-dire qu'on a fait une première esquisse et on a travaillé avec les habitants autour. Et on est arrivé au résultat que vous voyez derrière vous, absolument magnifique. À la fois un bâtiment qui reprend l'histoire patrimoniale et l'histoire industrielle de ce site et qui permet aux futurs habitants de ce site d'être dans un environnement et une qualité de logement absolument extraordinaire, répondant à toutes les normes d'aujourd'hui. C'est un site d'exception. Les opportunités d'acheter avec une vue comme ça et la proximité d'une ville comme Marseillan, ça se trouve quasiment plus. Donc, ça nous a décidé très rapidement. Alors, nous avons 8000 habitants permanents, une augmentation qui a été assez forte sur les dernières années, mais qui tend à se calmer parce que le choix de l'aménagement du territoire dans son ensemble et Marseillan, évidemment, s'y plie, était de préserver l'urbanisation sur le nord du bassin de Thau dont nous faisons partie. Et à ce titre, évidemment, les zones constructibles se sont limitées et là, on a une population qui a stagné autour de 8000 habitants actuellement et qui va se développer avec le nouveau PLU de la commune et puis les opérations comme celle dont on parle aujourd'hui de Nexity et Erige.